Skirt out in the wish, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out.
Skirt off in the wish, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin now. Up in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Up in the Rory, you go fast, go fast, go fast. Girl out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Up in the Porsche, I go fast. Can I say? Got finesse like a fadeaway, game for days. If you put me to the test, I'ma make them pay. You gon' feel this in your chest like an 808. Hitting harder than you ever felt. Give my all until there's nothing left. Go for broke, this is not a joke. I can only hope to take another step. Moving closer, closer. I'm just doing what I'm supposed to. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing. I'm as real as it come, real as it gets. You think you ready, but you ain't seen nothing yet. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain, sur la chaîne YouTube également du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Match Center qui oppose l'AS Monaco au Paris Saint-Germain. Bienvenue à tous, premièrement, dans cette journée de Ligue 1, 23e journée de Ligue 1 aujourd'hui, entre des Monégasques et des Parisiens qui sont tous les deux bien classés au classement. L'AS Monaco aujourd'hui qui est actuellement 4e de ce championnat avec 13 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites et qui est en train de faire un retour très sérieux dans la compétition. Les équipes sont actuellement en train de rentrer sur la pelouse. Bienvenue à tous sur Twitch et sur YouTube. English please, we can speak English a little bit. Today it's the game between PSG and AS Monaco. Alors aujourd'hui les amis, la composition donc des Parisiens. On va y venir tout de suite en attendant Trippi qui va arriver avec moi également dans quelques instants. Donnarumma dans les cages, ensuite Juan Bernat. Côté gauche, Bichabu El Shaddai en défense centrale avec Danilo et Marquinhos. Sur le côté droit, on retrouvera Timothée Pembele. Milieu de terrain, Warren Zeremri également, un titi supplémentaire pour nos Parisiens avec Vitinha. Et devant, Carlos Soler, Hugo Ekitike et Neymar Junior. Comment vous sentez ce match un petit peu sur le chat? Où est Trippi? Trippi arrive dans quelques instants. On est en train de connecter Trippi sur le chat, vous inquiétez pas. Il arrive. Hein. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance, bien sûr, comme d'habitude. Le petit chant des Parisiens. Et Neymar Junior qui est de retour. Neymar Junior qui va jouer ce match sans Messi, sans Mbappé en attaque. Il y aura Ekitike et Carlos Soler avec lui devant. La compo de l'AS Monaco avec Nubel dans les cages. Aguiar, Disasi, Maripane et Caio Henrique. Au milieu de terrain, on va retrouver Fofana et Camara. Avec Diatta et Golovin sur les côtés normalement. Et devant, le jeune Ben Seguir accompagné de Wissam Ben Yedder. Le Ben Seguir qui est né, je crois, en 2005. 2005, c'est bien ça. Presque comme Warren Zaïre-Emery, deux très très jeunes joueurs du côté de l'AS Monaco et du côté du Paris Saint-Germain. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de voir des titis parisiens à l'œuvre. Donc on espère que ça va bien se passer pour le Paris Saint-Germain. Je vais un petit peu le chat. On voit écrit 3-1 pour le PSG, nous dit Quentin sur le chat. On espère en tout cas une belle victoire des Parisiens. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live. On est également en live sur YouTube, donc si jamais parfois je réponds à des commentaires qui ne sont pas sur Twitch, c'est qu'ils sont sur YouTube. Et inversement, si je réponds à des commentaires que vous ne voyez pas forcément sur YouTube, ils seront peut-être sur Twitch. Donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitch. Les joueurs sont actuellement sur la pelouse. On est actuellement pour ce match, la 23e journée de Ligue 1. Un match très important pour les Parisiens. Certes, le PSG a une petite avance en Ligue 1 actuellement avec 8 points d'avance. Mais tout de même, l'AS Monaco est très bien placé. Et l'AS Monaco actuellement est en train de faire une très belle deuxième partie de saison. Monaco qui reste sur une victoire de leur dernier match. Justement, pour les Monégasques, on va revenir un peu sur leur historique. Monaco qui a gagné 2-0 dimanche dernier à Clermont. Ensuite, ils ont gagné 3-2. Contre Auxerre à domicile, match nul contre Monaco, victoire 7-1 contre Ajaccio, 2-2 contre Lorient. Vraiment, ils sont sur une très belle série, simplement, ils sont éliminés de Coupe de France. Mais sinon, leur dernière défaite, elle remonte à un petit moment en championnat. J'essaie de la retrouver, c'était contre Marseille, le 13 novembre pour les Monégasques. Donc ça fait quand même un petit moment, sachant qu'il y a la Coupe du Monde, il y a une petite trêve entre-temps. Les capitaines qui s'échangent les petits fanions, Marquinhos et Wissam Ben Yedder.
et le match qui a commencé dans 3 petites minutes. En attendant, Trippi qui est là, il me semble. Trippi, comment ça va? Écoute, ça va beaucoup mieux, hein. Ça va beaucoup mieux. Et toi? Ça va super, on est là pour ce match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. J'ai déjà fait un petit peu l'intro de ce match justement, avec les compositions des deux côtés. Une compo très très jeune, hein. Côté parisienne, on va retrouver notamment El Shaddai Bichabu, Warren Zeremri, Timothée Pembélé, Hugo Ekitike. Beaucoup de jeunesse dans cette composition parisienne aujourd'hui. Ouais, bien sûr, je sais qu'il y a eu un virus qui traîne là dans les rangs parisiens, donc ça a permis à Galtier de renouveler un petit peu son plan de jeu, son système de jeu et aussi les joueurs qui devront jouer. Là, on voit que c'est un 4-4-2 pour les Parisiens. Aux gamins de prendre plaisir et de saisir leur chance, parce que on le dit souvent, il y a beaucoup de chances à venir après ce match-là. Un 4-4-2 qui peut également se transformer en 3 défenseurs si besoin centraux, avec notamment Danilo, Marquinhos, et El Shaddai Bichabu. Donc vraiment c'est un système qui est adaptable. Et un système qui est souvent adapté par le coach. De toute façon, cette défense à 4 qui parfois également est une défense à 3. Aujourd'hui, Trippi, on est également en live sur YouTube. Donc, on a plein de commentaires sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de gens présents sur YouTube. On voit vos commentaires. Malheureusement, on ne montre pas le match pour ceux qui veulent savoir, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. On montre simplement un petit radar animé sur le côté juste ici avec les infos sur où est le ballon, qui est-ce qui a le ballon. Et c'est tout, malheureusement. On peut pas faire plus de choses que ça, le match est actuellement sur Prime Video pour ceux qui veulent le voir en direct. Mais on va vous le commenter de la meilleure des façons possibles avec un duo 100% PSG. Trippi, ton petit prono pour aujourd'hui, comment tu vois ce match? Alors, on est quand même sur une très bonne équipe de Monaco avec des joueurs très intéressants. Allez, je vois un match nul parce qu'on est quand même à l'extérieur, on a pas mal de blessés côté parisien. Faudra faire attention aussi parce que ça peut être une équipe qui met beaucoup d'intensité. À nous de bien réagir face à ça. Mais je vois des buts, mais un match nul. Un 2-2 pour Trippi dans le chat. On attend de voir également vos pronostics pour le match aujourd'hui. Je vois beaucoup de questions sur YouTube également. Est-ce qu'on monte le match ou pas? We're not showing the game, only the radar on the side. On ne montre pas le match, simplement le radar sur le côté comme d'habitude. Voilà les Parisiens qui vont bientôt donner le coup d'envoi de ce match. 1-2-2 pour Trippi. Moi, je vais voir une courte victoire des Parisiens. 2-1. Moi aussi, je pense qu'il y aura des buts. On voit Manu Petit qui donne le coup d'envoi fictif de ce match. Il y avait Thierry Henry également pas très loin dans le stade. On aperçoit Trezeguet également. Il y a du beau monde pour ce match aujourd'hui, Trippi. Et on espère avoir un super match. Le match qui a commencé dans quelques secondes, le chiffre du match, 12 buts de la tête par Monaco cette saison, record en Ligue 1. Attention, dans le jeu aérien, les Monégasques qui sont à l'affût. Ouais, non, mais comme j'ai dit, c'est une équipe très intéressante. Comme chaque année, c'est toujours en deuxième partie de saison qu'ils arrivent à empiler les points. Et ils le démontrent encore en 2023. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette équipe. C'est un match de gala. On sait que le stade Louis II, dans les matchs de prestige, est à moitié plein. Là, on voit sur les images, où il y a, même s'il y a des sièges qui sont encore vacants, il y a quand même du monde au stade. Mais c'est aux Parisiens de résister, on va dire, à cette armada offensive monégasque. Ah, c'est sifflé le coup d'envoi de ce match. C'est parti dans ce match entre les Monégasques et le Paris Saint-Germain qui se déplace donc au stade Louis II aujourd'hui pour cette 23e journée de Ligue 1. Attention, première occasion là pour l'AS Monaco, c'est dégagé de la tête par Danilo qui est déjà très très bas. Danilo, on aperçoit un peu un 5 défenseur visiblement dans la composition actuelle, avec Danilo en défense centrale avec Marquinhos et El Shaddai. Mais bien sûr, c'est un système qui permute beaucoup. Danilo pourra se retrouver également au milieu de terrain ensuite. Bienvenue à tous sur le chat Twitch. No, the match will not be on live on Twitch on YouTube. It's only us with the radar on the side. Just this. Sur quelle chaîne peut-on le voir? C'est sur Prime Video pour ceux qui souhaitent voir le match. Voilà, c'est parti dans ce match. Allez, les Parisiens qui ont le ballon ici avec Donnarumma qui va pouvoir relancer. Danilo qui va faire le 6 mètres. Et on aperçoit directement Trippi, une équipe de l'AS Monaco très très haute sur le terrain. Bah, c'est comme toutes les équipes maintenant de Ligue 1. Hein. Elles viennent nous chercher très haute sur le terrain, à nous de nous adapter très rapidement.
Allez, le pressing des Parisiens. Le ballon dans les pieds de Nubel, le gardien allemand de l'AS Monaco. Aguilar sur le côté gauche. On vous rappelle également le match aller entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes qui s'était soldé sur un match nul, un but partout. But de Kevin Volland pour commencer au Parc des Princes qui ensuite était sorti et Neymar Junior avait égalisé sur penalty pour finir en 1 partout. Allez, Vitinha au milieu de terrain. Face à 3 joueurs, c'est compliqué pour Vitinha ici qui vient perdre ce ballon. Le pressing avec Carlos Soler, on va revenir à une petite faute de Vitinha. Le jeu qui est arrêté pour l'instant. Ah, allez, oui, le petit coup de crampon. Bonne semelle sur le coup du pied de Aguilar. La porte de Vitinha. Bon match à tous. C'est normal le retard de 20 secondes sur YouTube? Ah, je sais pas. Franchement, il y a peut-être un retard sur YouTube, mais je pense pas. Peut-être que c'est YouTube qui fait un live différent. Je pense que c'est normal. Peut-être qu'il y a un peu de retard sur YouTube que sur Twitch, c'est un peu plus en avance. Allez, le pressing des Parisiens. Neymar tout seul sur le côté gauche en train de presser. Les Parisiens qui ne l'avaient pas accompagné ici, qui sont restés un peu plus bas. L'AS Monaco qui va pouvoir construire cette première occasion peut-être. Première possession pour l'AS Monaco. Les Parisiens bien en place. Et ça fait plaisir en tout cas de voir beaucoup de titis parisiens débuter ce match. On est vraiment sur une défense à 5 là. On est sur une défense à 5. Ouais, c'est ce que j'avais un peu dit en début de match. Et en libéraux, c'est Marquinhos. Ah, c'est bien ça, hein. Défense à 5 pour ne pas prendre de risques. Et on sait à quel point c'est un match important aujourd'hui, Trippier. Notamment Monaco qui est 4ème du championnat, qui effectue une belle partie de deuxième partie de saison, comme tous les ans. C'est vrai qu'à chaque fois, ils ont un peu de mal en début de saison. Ils perdent beaucoup de points en début de saison. Peut-être parce qu'il y a beaucoup souvent des mercato, il y a beaucoup de joueurs échangés, vendus du côté de l'AS Monaco, c'est pas tout le temps les mêmes qui restent. Et le temps que ça s'adapte à chaque fois, forcément, ça prend un peu de temps pour les monégasques. Allez, attention, le côté droit, l'action pour l'AS Monaco, le sombrero sur la défense centrale, c'est revenu ce ballon sur un joueur monégasque, ça revient encore une fois et but pour l'AS Monaco, Golovin, qui vient ouvrir le score. On sait pas trop ce qui s'est passé là, l'incompréhension dans les rangs parisiens. Et c'est pas le début de match rêvé par... le Paris Saint-Germain, Golovin qui vient ouvrir le score, 1-0 pour l'AS Monaco. Ça vient d'une touche sur le côté droit, un petit sombrero sur le côté. Ensuite, on demandait une main, ce ballon qui est recontré ensuite par Danilo. Un peu de réussite, ça revient en plein sur Golovin ici. Très bon travail de Fofana sur le côté avec ce sombrero sur El Shaddai. Qui là, normalement, ne doit pas se faire avoir, il doit avoir une attitude de défenseur. De pas se faire surprendre dans ce genre d'action. Après, il y a la main de Marquinhos qui est collé au corps. Et après, il y a encore un compte favorable avec Danilo qui remet la balle sur Ben Yedder. C'est vraiment un but avec de la réussite pour les Molégas qui mènent 1-0 dans ce début de match. Alors, le score ne s'est pas mis à jour juste au-dessus. C'est bizarre ça. Normalement, ça se met à jour tout seul. Hop. Et je vais le mettre à jour ce score. 1-0 du coup pour l'AS Monaco. J'arrive pas à le mettre à jour le score. Bon. Je vais essayer de le mettre à jour après, mais je n'y arrive pas pour l'instant. Ça devrait se faire. J'ai perdu le temps du coup. On a la 5ème minute actuellement de ce match. 1-0 pour les Monégasques. On va le faire manuellement. Voilà, on est bon. Attention, les Parisiens qui ont le contrôle du ballon maintenant. Avec Pembele sur le côté, qui va pouvoir servir à Warren Zaïre-Emery. Le ballon qui est sorti de justesse. Touche pour l'AS Monaco. Et quand on sait que c'est un match si compliqué que ça, Trippi, encaisser un but dans les premières minutes, c'est à mon avis pas ce que souhaitait monsieur Christophe Galtier aujourd'hui. Ça peut remettre ton plan de match en à revoir. Ça veut dire que peut-être les Parisiens étaient sur une optique de garder le score, le match nul le plus longtemps possible. Et au final, sur un bon travail de Fofana et après ce double contre qui permet à Monaco
de marquer, ben, t'es obligé maintenant de te découvrir un petit peu. Allez, la balle là pour Danilo Pereira. En retrait avec Gianluigi Donnarumma. La perte de balle des Parisiens. Ben Yedder. Avec Vitinha. Marquinhos. Non, pardon, Zaire Emery. En profondeur, il cherchait Hugo Ekitike qui va être beaucoup sollicité, je pense, devant aujourd'hui. Avec Neymar, c'est le duo du jour. Ouais, parce que là, on a vu sur son premier appel sans ballon, c'est dans la profondeur, c'est ce qui nous a manqué aussi face à Marseille. Espérons que lui emmène ce jeu en profondeur, surtout si Monaco vient nous procéder très haut. Et en récupération de balle, on peut les mettre en difficulté, parce qu'on sera peut-être en 2 contre 2. Ça sera aux Parisiens après de bien jouer les coups. J'aurai un peu les commentaires sur le chat. Messi didn't play because of injury. Yes, it's correct. Messi's not playing today. Allez, le pressing de Pembe est sur le côté droit. Golovin. On est un peu en retard. On est un peu en retard sur les. Avec le ballon. Le centre. Deuxième poteau. Donnarumma qui va venir. Qui va pouvoir intervenir ici. Et on repart côté parisien. Carlos Soler. Dans le jeu parisien. Avec Vitinha, on fait tourner ce ballon pour l'instant. Les Parisiens menés au score. Ouverture au score de Golovin à la 4ème minute simplement. Je vais essayer de vous le mettre à jour également. Le but de Golovin. Ah, j'ai perdu le match en faisant ça. Ça va revenir. Donc Trippi, s'il se passe quelque chose, je compte sur toi. Écoute, là pour le moment, c'est les Monégas qui ont le ballon dans leur camp. Sur le côté jauge avec Maripane. Bien fermé par Ekitike qui la sort en. Qui la dévie et la met en touche. Allez, Golovin, du coup, 4ème minute. On va l'ajouter dans c'est les Enrique statistiques. À la touche. Enrique à la touche. Les Monégasques. Avec le ballon. Le duel avec Pembele. C'est récupéré par Warren Zeremri. C'est bien ce qu'il fait le petit parisien ici sur le côté. Il est passé, il a resté au duel. Et il va obtenir une faute normalement. C'est super ça, Warren. Bien sûr, faut lui mettre même un carton. Et c'est là qu'on voit toute la puissance du jeune joueur parisien. 16 ans simplement, et pourtant. Il met en difficulté tous ses défenseurs. La faute de Camara au milieu de terrain. Là au moins ça serait une occasion pour les Parisiens. Si le coup franc est bien frappé par Neymar. Le coup franc de Neymar. Allez, c'est sur le côté droit, c'est assez excentré. On est à 40 mètres facile des cages de Nubel. Le gardien allemand. Les joueurs sont tous alignés au même endroit. C'est très bien tiré par Neymar, mais Nubel qui va venir s'en saisir. Un tout petit peu trop sur le gardien. Ouais, C'était presque dans la bonne zone. Non, le ballon est bien tapé, mais un peu trop. Ouais, du coup, le gardien Alexander Nubel. C'est vraiment rasant. A pu s'en saisir. Et les Monégas de retour dans le jeu ici. La balle récupérée par le Paris Saint-Germain. Ben Seguir, hein, très intéressant dans le jeu monégasque. Je crois qu'il est né un an avant Warren Zeremri. Il a 17 ans, Ben Seguir, alors que Zeremri en a 16. C'est la Ligue des Talents. La Ligue des Talents. 2006 pour Warren Zeremri. Et je crois que c'est 2005 pour Ben Seguir. C'est bien ça. Ils ont un an d'écart. Ben Seguir, attention parce que c'est un jeune... Monégas, mais qui marque un petit peu. C'est un des talents les plus en vue dans cette Ligue 1 également. Oh, bien c'est bien fait ça par les Parisiens. Vitinha qui vient subir une faute ici, c'est pas sifflé. On revient sur Carlos Soler. La passe avec Juan Bernat. Le côté c'est gauche espagnol qui tente de combiner. Neymar. Ouais, il y avait une belle passe cachée de... Neymar repris ici. Par Ben Seguir et Ben Yedder, ça vient en profondeur. Face à Marquinhos. Wissam Ben Yedder qui s'est excentré sur le côté. La petite passe contrée par le duo parisien El Shaddai, Marquinhos. Ça revient ce ballon dans les pieds Monégas. Touche pour l'AS Monaco. Salut F5, salut ZFR, bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le chat. Que ce soit sur YouTube bienvenue, ou sur Twitch. Bienvenue.
Allez, Monaco, avec le ballon, le pressing de Neymar qui vient faire une petite faute ici, côté droit. Petite faute légère de Neymar, mais c'est une faute. Ça revient ce ballon pour Aguilar. Cherché en profondeur, Wissam Ben Yedder, dégagé par El Shaddai. Hakimi qui est sur le banc. Louise, pour répondre à ton commentaire. Je crois qu'il y avait des petites douleurs aux adducteurs, je crois, pour Hakimi. Il me semble qu'il y avait un petit peu de fatigue ce dernier match. Donc Hakimi qui est sur le banc actuellement. Un peu de repos aussi. Forcément, on a un gros match également contre le Bayern Munich qui arrive mardi. Exact, exact. Même si aujourd'hui aussi, c'est un gros match. Pour l'instant, dominé par l'AS Monaco avec ce 1-0. Après, c'est pas comme si Monaco avait eu 50 occasions. Ils ont eu une occasion un peu farfelue avec des contres dans tous les sens. Mais ça a fait mouche. Carlos Soler qui vient subir une faute ici, pressé par deux joueurs. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'engagement côté monégasque. Une grosse intensité, un grand pressing mis en place par les hommes de Monsieur Clément. El Shaddai, la relance avec Vitinha. Vitinha qui vient porter ce ballon. Chercher Juan Bernat, on fait des décages et après faut. Ça accélère un petit peu plus. Marquinhos. Carlos Soler, c'est bien fait ça. Ça c'est bien joué, allez. Là, faut côté droit pour le PSG, Danilo. Il n'y a plus de solution. Marquinhos qui va allonger. En profondeur, c'est bien joué. Il cherchait Neymar. Il y avait un appel très intéressant de la part du Brésilien. Là ça combine côté gauche entre Bernat. Et Carlos Soler, et là ça combine entre Neymar et Marquinhos. Ça combine par pays. La prochaine combinaison, ça va être Pembele avec Zaire Emery. Non, Pembele avec Carlos Soler, Marquinhos cette fois-ci. Hakimi sur le banc en effet. Zaire Emery au milieu de terrain. C'est bien fait ça avec Neymar. Boum. Neymar vers Carlos Soler qui cherche une solution. Neymar qui est retrouvé. Danilo, la passe manquée vers Warren Zaire Emery. Et attention, Danilo, il s'est fait prendre de vitesse ici sur le côté gauche. La percée de la part de Caio Henrique en retrait. Avec Ben Sekir. Ben Sekir dans la surface. Face à 4 joueurs parisiens. Attention, deuxième poteau. Caio Henrique, le centre, deuxième poteau. La tête monégasque, elle est boxée par Donnarumma. C'était chaud. C'était chaud cette action. Wow. On a eu très très chaud. Super parade de Donnarumma qui vient. Heureusement repousser le danger sur une tête d'Aguilar. Je crois que c'était Aguilar. Là on fait une perte de balle alors qu'il faut chercher la profondeur. Faut pas s'embêter à. Et là on se prend en compte sur une bonne contre-attaque des Monégas sur le côté avec Ben Seguir. Là il retrouve encore Enrique sur le côté qui arrive à déborder sur. Et là deuxième poteau. Aguilar, on l'a prévenu en live. On l'a prévenu en live le deuxième poteau et c'est Aguilar qui vient mettre sa tête et le bel arrêt après derrière de Donnarumma. Et voilà où il faut être vigilant, c'est aussi sur les contre-attaques où ils sont très bons. Allez, ça repart pour les Parisiens. Avec Marquinhos. Marquinhos, Carlos Soler. Qui va écarter à droite. Il y a de l'espace là pour Timothy Pembele. Qui va retrouver Zaire Emery. Vitinha. Neymar. Neymar qui n'a pas réussi à bien emmener ce ballon. Récupéré par la défense monégasque et aussitôt par Warren Zaire Emery. À l'aise dans ce milieu de terrain. Très en vue. Marquinhos avec Neymar. De justesse. Marquinhos, la faute sur Neymar, ça joue tout de même. L'avantage laissé, on va revenir à la faute sur le Brésilien. Carton, ça fait au moins 3, ça fait au moins 4 fautes là. Qui est resté au sol pour l'instant, notre Neymar. Allez, le jeu qui va pouvoir reprendre. Bienvenue à tous sur le chat YouTube également. Il y a beaucoup de messages sur YouTube. Je regarde un peu vos commentaires. N'hésitez pas à interagir avec nous. Si vous avez des questions, des infos à savoir, on sera là pour y répondre avec Trippy. Et puis d'un point de vue tactique, comment bien
Comment bien éliminer cette équipe de Monaco? Comment passer ce bloc monégasque pour l'instant, tu penses? Bah là, ils arrivent quand même à nous laisser de l'espace dans l'entrejeu, donc on peut éventuellement jouer et à ramener de la densité axiale, mais il faudra être très précis au niveau des touches de balle. Et quand on arrive à trouver ce déséquilibre, c'est trouvé après sur les côtés. Ah, oh là le centre là. Parisien, c'est contré. Ça revient sur El Shaddai qui ne pourra pas bien saisir de ce ballon. Et 6 mètres pour l'AS Monaco. Et pourquoi faire un contrôle comme ça? Ah, c'était pas évident. Donc, hein. Je pense que dans l'axe, ils peuvent nous laisser jouer. Maintenant, il faudra juste être juste techniquement pour pas se faire prendre. Neymar s'est bien relevé hein, pour répondre à vos questions. Et Mbappé, non, il ne joue pas. Mbappé qui est toujours out pour l'instant. Il y a Mbappé qui n'est pas disponible. La balle en profondeur. El Shaddai vient garder ce ballon sur le côté. El Shaddai, tu as vu qu'il va venir chercher en retrait. Il va perdre ce ballon. Ben Yedder dans la surface. Ben Yedder, frappe croisée, le but. 2-0 pour l'AS Monaco. La perte de balle de El Shaddai Bichabu, qui est malheureusement très très cher payé, avec une occasion pour Wissam Ben Yedder qui se retrouve face à Donnarumma, qui frappe d'une façon frappe croisée. Et 2-0 pour l'AS Monaco. Ce n'est pas le début de match rêvé pour les Parisiens. Ça va être très très compliqué aujourd'hui. Là, je suis abasourdi. Ah, El Shaddai, il a joué un peu trop simple. Il fait le bon travail, c'est qu'il arrive à bien protéger son ballon. Mais après, derrière, c'est limite interdit de rentrer dans l'axe comme ça. De venir rentrer dans l'axe. Alors que là, il rentre, il arrive à fixer les deux adversaires, que ce soit Ben Yedder et Diatta. Il doit la mettre après Marquinhos. Et Diatta qui récupère ce ballon. Diatta qui vient tacler derrière El Shaddai, pousser un petit peu ce ballon qui poursuit jusqu'à Wissam Ben Yedder. Ben Yedder qui n'a plus qu'à croiser sa frappe et à mettre un but supplémentaire au Paris Saint-Germain. 2-0 pour l'AS Monaco dans ce début de match. Au bout de 19 minutes. Et à force de ressaisir pour le Paris Saint-Germain. Et vu l'effectif qu'on a, on a les moyens justement de le faire. Allez Vitinha, pourquoi pas maintenant? Vitinha cherche une solution avec Carlos Soler. Carlos Soler qui va pouvoir écarter Timothée Pembele dans la surface. La prise de balle était très bonne, malheureusement ça n'a pas suffi. Les Parisiens dans le camp monégasque. Et la balle qui va revenir sur Danilo. Avec Marquinhos. Allez, Marquinhos. Avec Vitinha. Mbélé, le côté droit. Chercher une solution avec Ekitike. Ekitike en position d'ailier droit actuellement. C'est dommage parce que Mbélé nous avait fait une superbe prise de balle sur l'action précédente. Allez, Donnarumma. Avec Marquinhos. On repart sur Danilo Pereira. Ouais, 2-0 pour l'AS Monaco pour l'instant, Enzo. Ce n'est pas le début rêvé pour les Parisiens. Pour cette 23e journée de Ligue 1. Sachant que l'AS Monaco est bien classé également dans ce championnat de Ligue 1. Ça leur permettrait de revenir à quelques points des Parisiens. Même si le PSG a quand même une avance confortable sur ses dauphins, Lensois et Marseillais. 8 points d'avance pour l'instant. Mais en cas de défaite et de victoire de Marseille et de Lens, on pourrait en avoir plus que 5. Danilo. Avec Zeremri. Zeremri, Vitinha. Vitinha qui va pouvoir écarter côté gauche. Vers Juan Bernat. Bernat. La percée de Juan Bernat. Le petit crochet sur le côté. Bernard dans la surface. Avec Carlos Soler. La frappe de Carlos Soler qui est contrée. Et captée par Nubel. Oh, ça veut dire qu'elle était pas assez forte. Hein. Et ça repart rapidement pour l'AS Monaco sur le côté droit. Côté droit Paris. Hein. Côté gauche Monégasque. I can't see the match. The match is on a Prime Video in France. Allez, 22e minute. Diatta sur le côté. Le débordement d'Aguilar.
Diatta, le centre deuxième poteau. Attention, la bonne sortie de Donnarumma. On peut se relancer côté parisien. Et c'est là où le bloc monégasque est bien en place pour l'instant. On a un peu de mal à trouver du monde pour ressortir ce ballon. Ouais, non, ils arrivent. En fait, les monégasques, ils sont bien placés, mais dans leur placement, ils nous laissent quand même des espaces dans le milieu de terrain. Maintenant, c'est juste à nous de bien se déplacer, d'essayer de jouer aussi en déviation pour pouvoir accélérer le jeu. Et après, derrière, c'est avoir des prises d'initiative sur le côté. Sur quoi puis-je regarder le match? C'est sur Prime Video. Avec le Pass Ligue 1. Allez, Juan Bernat sur le côté gauche, il y a de l'espace. Juanito, il va venir temporiser, chercher une solution avec Neymar. Le contrôle de Neymar. Neymar qui va devoir organiser le jeu ici. Neymar avec Carlos Soler. On revient. El Shaddai. Côté droit avec Danilo. Allez, rapidement, allez. Neymar qui descend pour prendre ce ballon. Il attend. Danilo lui passe. Neymar Junior, il est retrouvé. En maestro. La passe, il cherchait Carlos Soler, c'est intercepté. Et attention, parce que ça part très très vite en contre-attaque pour les monégasques ici. Diatta, qui est très rapide, Diatta. Face à El Shaddai. Diatta, qui va retrouver Aguilar. Le centre, deuxième poteau, c'est contré par Danilo. La reprise de Ben Seguir, heureusement pour les Parisiens. Mbélé qui va pouvoir dégager ce ballon. C'était très bien joué ce mouvement monégasque, là. La complicité entre Diatta et Aguilar était parfaite. Ça va être compliqué aujourd'hui, mais il faut y croire, les amis. Il faut rester positif. Il faut rester optimiste, surtout. Même si on est mené 2-0, on a déjà vu des remontées du PSG. Et un match, c'est 90 minutes. Il faut y croire. Allez, Disasi, pressé par Neymar Junior. Axel Disasi qui va garder ce ballon. Les monégasques. Avec la possession du ballon actuellement. Camara. À un moment donné, il faudra les presser, quoi. Disasi, Ben Yedder. Ouais, le PSG qui attend pour cette équipe monégasque alors qu'elle est... Alors que nous sommes menés actuellement 2-0. L'ouverture. El Shaddai sur la trajectoire qui va chercher Neymar Junior. Neymar. Entre trois joueurs. La petite passe de Neymar pour Zaire Emery. Neymar retrouvé. Il n'arrive pas à garder cette balle ici. La petite faute de Neymar derrière. Sur Camara, il me semble. C'est sur Camara qui avait bien protégé ce ballon. Allez, 2-0 pour l'instant, 25e minute. On aperçoit Dante également dans les tribunes. Là, son premier but, tu vois, t'as El Shaddai qui se fait quand même enrhumé. Après, il y a les deux contres. Ah, double voilà, contre pour Ben Yedder. Il y a un double contre, il y a forcément après un double contre. Mais si tu mets pas l'agressivité, d'un joueur de haut niveau, ça va être compliqué. Et là, c'est pas, je veux pas dire que c'est une erreur de jeunesse, loin de là. C'est juste une erreur d'appréciation. D'interprétation de la situation, c'est que sur la première, il a l'avantage, il arrive à bien maîtriser son adversaire direct, et après, derrière, faut être lucide pour trouver la bonne solution. Donc la première de rentrer dans l'axe était une bonne solution, mais après, derrière, faut la lâcher sur Marquinhos, qui lui avait pris sa place, et je pense qu'il a manqué de prise d'information sur Diatta. C'est-à-dire qu'il n'a pas senti Diatta revenir. Il l'a pas senti revenir, et au final c'est Diatta qui vient le tacler derrière et va donner cette balle à Wissam Ben Yedder. Attention, nouvelle action pour l'AS Monaco, détourné par Donnarumma. Super belle frappe une fois de plus de
la part d'Aguiar, très en vue également. Mais si les joueurs ne suivent pas aussi les autres joueurs, ça va être compliqué. Là, c'est Soler qui laisse Aguiar complètement partir. Heureusement que Danilo est venu gêner. Là, il faut suivre ces appels de balles, c'est important. Et là, on avait vraiment chaud une fois de plus. 2-0 toujours pour l'AS Monaco. Des Monégasques qui ont un corner sur le côté gauche ici. Le corner tiré au point de pénalty. La tête de Marquinhos pour pousser ce ballon. Avec Neymar qui va venir écarter vers Vitinha. Il y a une bonne prise de balle de Vitinha ici. Vitinha qui pousse ce ballon. Qui attend un peu de solution. Vitinha en profondeur. Il cherchait Kitike. Mais c'était trop compliqué. Le ballon récupéré par les Monégasques. La sortie de balle ratée. Et Bernat qui peut relancer. Juan Bernat. Avec Marquinhos. Vitinha. Allez, Danilo. Pembele. Qui est passé dans l'axe. C'est bien joué ça, Timothée Pembele. Pembele dans la surface. La frappe de Pembele contrée. Ce sera un corner normalement. Le corner. Pembele, voilà, c'est bien ce qu'il fait hein, sur ses. C'est bien ce qu'il fait sur ses prises de balle à chaque fois. Non, c'est bien joué ça. Bien joué de la part de Pembele qui arrive à pénétrer dans la surface monégasque. Après, il arrive à tenter sa chance. Si on arrive à marquer sur ce corner, ça peut mettre le doute dans la tête de Monaco. Le corner pour le Paris Saint-Germain, tiré par Neymar. Neymar, très bien tiré. Oh, le danger. Marquinhos à deux doigts de marquer. Malheureusement, c'est sauvé. Wow. Ce sauvetage de l'AS Monaco, Diata qui vient dégager. Ça revient sur Juan Bernat, sur Vitinha. Et Juan Bernat, finalement. Vrai corner. Ah, le corner de Neymar était extraordinaire. C'était contré par un joueur monégasque. Et ensuite, Marquinhos au second poteau qui était pas loin de marquer, mais qui était devancé. Non, côté là-bas. Le ballon qui revient sur Juan Bernat. Avec Neymar Junior. Neymar, la petite passe. Neymar avec Carlos Soler. Ça revient sur Pembele qui vient tenter sa chance. Ça passera au-dessus pour Timothée Pembele qui est pour l'instant en forme et en vue. Le latéral droit parisien. Et le corner tiré. Ouf. C'était très bien tiré de la part de Marquinhos. Vraiment à deux doigts de marquer. Un sauvetage d'Aguiar qui se joue à quelques centimètres. Il se fait avoir sur le. Marquinhos se fait avoir sur le rebond. C'est-à-dire qu'il est loin. Et au moment où il veut attaquer le ballon, bah, y a le rebond qui vient. Il aurait dû mettre la tête. Il aurait mis la tête, il y aurait eu pénalty derrière la Trippi là. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ah, c'est même sûr. Vu le jeu dangereux d'Aguiar, mais les deux au final avaient mis le pied. Ah, meuf. Mais bon. Faut sauter la famille. Perdre sa tête comme ça avant le match contre le Bayern Munich. C'est peut-être pas forcément une bonne idée. Neymar, pressé par 2-3 joueurs, il s'esquive du pressing. Avec Donnarumma. Marquinhos, Donnarumma, on repart derrière. Attention. Juan Bernat. Avec le bon pressing des Monégasques. Attention, nouvelle action pour l'AS Monaco. La frappe Monégasque, non, ce sera une fin de frappe. Et ce ballon qui est remis en jeu par les Monégasques. Et le bon retour de Timothée Pembele. Il fait un bon match, le petit Parisien sur le côté droit. Ouais. Certainement le plus en vue hein, pour l'instant, Timothée Pembele. C'est intéressant ce qu'il fait, il arrive à tenir son côté droit. Il tient le côté droit et surtout il fait des belles percées dans le camp monégasque. Pour l'instant, ses prises de balles sont les plus dangereuses. Tu reprends quand même la possession du ballon. Allez, Neymar. Avec Kitike, Vitinha, la faute sur Vitinha. Non, pas de faute. La balle qui revient. En touche pour le Paris Saint-Germain. On passe à 4 derrière. Ouais. On vient de voir Galtier faire des instructions pour passer à 4 derrière. Voilà, 4-3-3. Là, on voit bien Danilo au milieu de terrain. Et pour prendre un peu le lead. Oh là là, Neymar qui vient de nous faire ici le petit pont. Et la balle qui revient sur Carlos Soler. Allez, vas-y. Carlos Soler avec Neymar sur le côté gauche. C'est compliqué ce ballon. Pour prendre le lead dans le milieu de terrain, ce serait bien de passer à 4 derrière, d'après Monsieur Galtier.
Pembele. Le crochet de Pembele. La bonne passe avec Warren Zaïre-Emery. Zaïre-Emery sur le côté. Cherche une solution. On revient vers Danilo. Danilo, Vitinha. Ouais, ça combine bien. Ils sont bien là, les Parisiens. Et Vitinha qui vient perdre ce ballon. Non, 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 on peut pas rentrer dans l'axe comme ça. Et ça va tenter de repartir côté gauche pour l'AS Monaco. Le ballon trop profond pour Golovin. Touche pour les Parisiens. En fait, il faut qu'on arrive à identifier quand on prend le ballon en conduite de balle pour venir fixer l'intérieur. Forcément, il y aura une compression de la part de l'adversaire qui va venir sur le ballon. Et c'est à partir de là qu'il faut savoir la lâcher très vite pour le côté parce qu'on aura des joueurs libres. Neymar, sorti du marquage. Neymar en maestro. Pour l'instant, il descend pour organiser le jeu un petit peu. Zaïre-Emery à droite avec Pembele. Avec Pembele, il faut insister peut-être sur Pembele qui est vraiment bien en jambes pour l'instant. C'est ce que tentent de faire les Parisiens. Hein. Passer côté droit pour l'instant. Et pourquoi pas aller à gauche également avec Bernat qui attend ce ballon. Allez, rapidement, rapidement, rapidement. El Shaddai vers Juan Bernat. Voilà. Il est tout seul sur son côté après. Et Carlos Soler en bas aussi. Neymar. Hein. Avec Ekitike. Neymar qui redemande ce ballon. On va servir à droite Pembele. Pembele le petit crochet. Pembele avec Zaïre-Emery. Les Parisiens qui sont haut dans le camp monégasque, qui font tourner ce ballon. Qui attend une solution. Pembele. Ekitike. On revient vers El Shaddai. Le PSG qui grimpe sur le terrain, qui prend quelques centimètres à chaque fois. La passe de Neymar vers Zaïre-Emery. C'est intercepté. Ah, malheureusement, ouais, c'était une très belle passe de Neymar, mais on n'a pas réussi à bien suivre derrière. Et attention à cette contre-attaque monégasque qui peut aller très très vite. Le bon retour de Pembele sur le côté droit. Attention au deuxième poteau, il y a Bernat qui en a deux. Pembele contre Ben Seguir. Ah, c'est dommage que Zaïre-Emery il n'ait pas contrôlé ce ballon. Il a voulu jouer un 1-2 avec Ekitike. Diata. Avec Camara. Allez, faut sortir derrière. Voilà. On ferme l'axe. 34ème minute. Danilo qui vient récupérer ce ballon au milieu de terrain. Allez, Danilo qui est passé ici. La faute sur Danilo, faut la siffler au bout d'un moment. Ah, merci Dani. Merci. L'avantage qui est laissé. Ça, c'est un carton, ça, normalement, hein, ce genre de faute. Anti-sportive. Allez, retourne-toi. El Shaddai. Aïe, aïe. La paire de balles de Carlos Soler ici. Ben Seguir qui peut repartir en contre-attaque. Et là, le bloc monégasque qui est monté, attention. Diata avec Ben Seguir. Camara qui va pouvoir écarter. On passe à gauche avec Caio Henrique. Fofana. Fofana avec Golovin, c'est bien joué du côté de l'Est Monaco. Le bon retour de Pembele et de Zaïre-Emery. Zaïre-Emery qui avait compensé l'avancée de Pembele. Et l'AS Monaco qui fait tourner ce ballon pour l'instant. Neymar qui a tenté d'intercepter cette balle avec un tacle. Ben Seguir qui va venir frapper, mais sans danger pour Donnarumma. Ce ballon axial est pas assez fort. Ah, mais attention, là on devait sortir sur un des deux. C'est un peu mieux dans la circulation du ballon. On essaye de mettre en difficulté cette équipe de Monaco, même si on est encore timide dans la réalisation, c'est-à-dire quand on n'arrive pas à pénétrer leur surface de réparation. Maintenant, c'est aux Parisiens de faire encore un peu plus. Allez. Neymar en profondeur. Chercher Carlos Soler. C'est trop long, ça vient dans les bras de Nubel, le gardien allemand. Le pressing d'Ekitike sur Nubel.
va venir dégager. Mbélé au duel. Devancer Marquinhos au duel cette fois-ci avec Ben Yedder. Ben Yedder qui va chercher en profondeur. Jouer simplement le très bon retour de Mbélé derrière. Timothée Mbélé pour l'instant. Bon match. Il est dedans le jeune parisien. Le bon retour devant Caio Henrique. Il met de l'engagement. C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. De l'engagement, de l'intensité. Et ne pas être trop facile. Et ouais, deuxième ballon, les gars. Allez, remise en jeu pour Donnarumma. Le corner monégasque qui n'aura rien donné. Cette frappe de Diatta, il sera passé bien au-dessus. Et je vous rappelle le banc parisien également avec Rico, Letellier, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Nuno Mendes, Ismaël Garbi et Ilyes Housni. Allez, Donnarumma, la relance avec cette fois-ci Ekitike qui va écarter à gauche. Carlos Soler qui cherche une solution. Carlos Soler, la très belle passe pour Juan Bernat en retrait. Zeremri qui va venir réduire le score, 2-1. Le titi parisien qui va venir marquer. Très beau but de la part des Parisiens sur une très belle action bien menée. La passe de Carlos Soler pour Juan Bernat entre les lignes et ensuite Warren Zeremri. Au deuxième poteau qui était très bien placé sur ce centre. Ah, c'est un très beau but des Parisiens avec une belle passe de Soler. Là, ce changement d'aile d'Ekitike. Ce dédoublement qui vient mettre en difficulté Aguilar sur le côté. Et là, au deuxième poteau, il se l'est. Warren Zaïre-Emery. Et Juan Bernat également. Super passe de Juan Bernat. C'est bien ça. C'est un des premiers dédoublements côté parisien, Trippi. Et directement, il est récompensé. Et je pense que c'est la troisième fois qu'on rentre dans la surface, peut-être des monégasques. J'ai dit qu'on était quand même un peu mieux, sans pour autant les mettre en difficulté. Et là, on y arrive. Allez, maintenant, réussir à égaliser avant la mi-temps, ce serait top. Quand je vous dis dans le chat d'être optimiste, d'y croire toujours, il faut être comme ça. Allez, 2-1. Neymar Junior, entrée de surface, Neymar le crochet, la frappe de Neymar qui est contrée. Ah, il a voulu se donner de l'angle. Et là, les Parisiens vont être mieux mentalement. Ah, et ça revient ce ballon, Zeremri. Il a peut-être tenté sa chance, non, Pembele, à droite, Pembele, le centre, on cherchait Ekitike. Ça revient ce ballon qui est contré. Et là, les Monégasques qui sont dans un temps faible. Le pressing des Parisiens. Pembele, qui vient très bien presser. Ah. Et garder ce ballon, touche bien. Pour le Paris Saint-Germain. Ça c'est bien. Ah, ils ont du mal là, les Monégas, c'est maintenant que vous mettez la pression. Allez 2-1 pour l'instant pour l'AS Monaco. Alors qui a marqué le but, c'est Zeremri. J'essaie de vous remettre le buteur Monégas, on le voit plus également. Attention. Je pense qu'on le voit là, ça devrait être bon. Petite faute parisienne de Vitinha, l'avantage qui est laissé en profondeur. Attention, Golovin qui va être servi. Marquinhos le retour et le but, non. La super parade de Donnarumma. Quelle action de la part de Donnarumma ici, quelle parade. Attention, Golovin qui était parti en profondeur. Wow, franchement. Au début, je me dis, mais pourquoi il n'est pas sorti? Moi aussi. Parce que le ballon quand même était pour lui. Allez, là, faut pas. Là, on a 2-1. Ah, mais pour moi, je me suis dit, celle-là va être très compliquée à arrêter. Et là, Donnarumma nous a sorti un arrêt, mais exceptionnel. Heureusement, il nous laisse dans le match. Là, il est pas bien, il est au sol, là. Donnarumma? Ouais.
j'ai pas vu. J'ai pas vu que Donnarumma était au sol. J'espère que ça va. En tout cas, il a dû prendre un petit coup là sur le. Sur l'action. Neymar pour repartir. Le ballon stoppé par Camara. C'est récupéré derrière par les Parisiens. Attention à Ben Yedder. Les petits appuis de Wissam Ben Yedder. Travaille au futsal. Il a vraiment des appuis, le gamin. Ah, ça a été rapide. Hein. Petite faute de Neymar sur Camara. L'arbitre qui l'a à l'œil. Donc c'est Monsieur Turpin, un arbitre. Je me trompe pas. Ouais. Ça a l'air. Ben Yedder. La passe en profondeur détournée par El Shaddai. Oui, heureusement. Heureusement. Et Juan Bernat qui peut relancer. La touche. Merci, Juani. Obtenue merci, par Juanito. Juan Bernat. Allez. Merci, Juanito. 2-1 pour l'instant pour les Monégasques. Ah, Monaco qui revient à deuxième. Monaco qui est actuellement. Je vais te dire ça. Je vais te mettre le classement. Deuxième. On va mettre le classement en direct juste en dessous, actualisé. Vous allez le voir. Et l'AS Monaco qui est actuellement en deuxième, c'est ça. À 7 points du Paris Saint-Germain, mais Marseille et Lens ont une journée de retard. Attention, nouvelle action là pour les Monégasques. Et il n'y a rien, le joueur qui était tombé, Ben Seguir. On dégage ce ballon. Côté parisien, ça revient. Carlos Soler, Ekitike. Ekitike qui vient bien garder cette balle. C'est bien ce qu'il fait ici. Il esquive le pressing. Hein? Ouais, faute d'Ekitike. Oh là 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 là, faute sur Disasi. Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi, il le tient dans tous les sens. Il le tient. Ah ouais, c'est très mal arbitré là. Est-ce qu'il y avait faux? Non, non, il n'y avait rien de la part de Juan Bernat. Oh, Ben Seguir, s'il te plaît, gamin. Il n'y avait rien. Si, en haut, il lui tire quand même le maillot. Mais le problème, c'est qu'il tombe au niveau des pieds. Ah, c'était abusé là. Mais là, sur Ekitike, là, c'est plus Disasi qui fait faute. Après, forcément, bah ouais, tu veux t'en échapper. Hein. Allez, le coup franc pour l'AS Monaco. Non. Alors que vraiment, Ekitike avait bien gardé ce ballon. C'est dommage. Sergio Ramos qui part à l'échauffement côté parisien. Avec Ismaël Garbi. Voilà pour l'instant les deux jeunes joueurs. Les deux joueurs parisiens. Avec un jeune et un plus expérimenté. Apporter un peu de vivacité là. Le coup franc Monégas, deuxième poteau. Tête Monégas, Marquinhos qui écarte le danger. Ça revient sur Ekitike. Avec Vitinha. Là ça peut aller vite. Vitinha avec Warren Zeremri, c'est compliqué ce ballon. Zeremri qui vient obtenir une touche sur le côté, c'est déjà bien. Vous voyez les petits appuis de Ben Yedder là. Incroyable. Après le bel arrêt quand même. Ah ouais. Heureusement. Il la prend, il l'arrête de la tête. Hein. De la tête et aussi Golovin se loupe. Il la prend du tibia. Ouais. Neymar Junior sur le côté, il est passé face à deux joueurs. La faute sur Neymar. Carton. Il est en retard ici. Oh, monsieur Turpin. Diata qui vient tacler en retard Neymar Junior. Ah ouais, en plus, c'est vraiment une faute petit sportive derrière, on le voit. Neymar qui s'est. Il fait mal un peu. Ah, il a un bandage à la cuisse, Neymar. Ah, c'est peut-être l'adducteur. Il a un petit bandage sur la cuisse, attention à pas trop forcer. Allez, 45ème minute. Pour l'instant, 2-1 pour l'AS Monaco dans ce match. Coup franc pour les Parisiens. On va avoir, je pense, une ou deux minutes de temps additionnel. Le coup franc tiré par Neymar Junior. Ils sont hauts, Monaco. Hein. Ouais, ils sont très très hauts sur ce coup franc. C'est tiré au point de pénalty. Tête de Danilo, c'est remis dans la boîte par un joueur monégasque. C'est mal dégagé ensuite. Et touche pour le Paris Saint-Germain. Sauf si ce sera la mi-temps. Je pense que ça joue encore. Ça joue encore. Neymar. Allez, fou là, fou là. Avec Vitinha. Danilo. Qui prend sa chance de très très loin. C'était bien tenté de la part de Danilo. C'est rare de voir Danilo faire ça. Il a. Attention dans l'axe. Attention. La balle qui revient pour les Monégasques, côté gauche. Avec Golovin qui va servir Ben Seguir. Ben Seguir qui cherche une solution. Ben Yedder en profondeur. Juan Bernat qui est battu. Ben Yedder qui va venir transformer, malheureusement. 3-1 à la 46ème minute. Wissam Ben Yedder qui est clinique devant les cages.
Comment c'est possible? Au bout d'un moment, faut... Et troisième but pour l'AS Monaco. Et on voit Donnarumma qui n'est pas content de sa défense ici, qui est en train de râler, qui ne comprend pas comment c'est possible en effet Trippier d'avoir laissé Wissam Ben Yedder seul ici. Ah, c'est Pembele qui n'était pas forcément bien aligné. Ouais, mais le duel, tu peux rien faire, il rentre, regarde, il suit Golovin. C'est là, Ben Sidir, il a, faut sortir dessus, faut pas le regarder, là tu lui laisses du temps. On est en Ligue 1, les gamins, ils ont de la qualité. Juan Bernat qui était en retard sur Ben Yedder. Ouais, compliqué là pour les Parisiens. C'est la mi-temps de ce match. 3 buts à 1 pour l'instant pour l'AS Monaco dans cette première mi-temps. Trippi, les buteurs. Donc Alexander Golovin, Wissam Ben Yedder à deux reprises, 18e minute et 46e minute, 4e minute pour Golovin. Et côté parisien, Warren Zaïre-Emery avait réduit le score à la 39e minute. Et malheureusement, l'AS Monaco qui refait le break. 3-1 à la mi-temps. On espère un match fou, Trippi. On espère une grosse réaction des Parisiens en seconde période. Pour l'instant, c'est une première mi-temps qui a tourné en faveur de l'AS Monaco. Oui, on a pris un but très tôt dans la partie. Des Monégas qui étaient mérités parce qu'ils sont très bien rentrés dans ce match. Le deuxième but aussi est venu suite à une erreur de notre part, mais ils ont été endormis. Donc c'est ça qui nous a permis au Paris Saint-Germain d'imposer un peu plus leur jeu, de rentrer aussi dans le rythme du match. De marquer aussi sur un très beau jeu collectif parisien, et on sentait qu'on pouvait égaliser et prendre ce but avant la mi-temps. C'est vrai que c'est un coup de massue parce que il y a une totale désorganisation de la défense, et c'est dommage parce que je dis pas que les Parisiens font un match extraordinaire, mais on sentait qu'il y avait du mieux dans le jeu. Maintenant aux Parisiens d'avoir des ressources mentales pour pouvoir renverser la tendance. On va regarder un petit peu les statistiques de ce match. On voit 54% de possession pour les Parisiens, 11 tirs pour les Monégas, 7 pour le Paris Saint-Germain, 296 passes à 244. En passe réussi, on est un petit peu au-dessus, mais pour l'instant en tir cadré, 7 pour l'AS Monaco et un seul tir cadré pour les Parisiens, et c'est ce but de Warren Zaïre-Emery. Au niveau des attaques, 25 attaques pour Monaco, 24 pour le Paris Saint-Germain. C'est peut-être là, c'est en efficacité également, petite erreur technique. On voit sur les premiers buts, El Shaddai est pas forcément irréprochable sur les premiers buts. C'est des petites erreurs qui pour l'instant mettent l'AS Monaco devant dans ce match. Ouais, c'est des petites erreurs. C'est des petites erreurs d'inattention. Aussi d'engagement. Parce qu'on le voit sur le dernier but, on sort sur le joueur, mais au final on le laisse aussi. On laisse un certain champ visuel, alors que là tu dois l'amoindrir, tu dois la réduire pour pas qu'il puisse avoir ce confort de faire cette passe en profondeur pour Ben Yedder. Donc en fait c'est plein de choses comme ça que les Parisiens défensivement doivent régler lors de la deuxième période. Voilà pour l'instant, 3 buts à 1 pour l'AS Monaco à la mi-temps. Il est temps pour nous de faire également une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes, dans quelques secondes pour la reprise de ce match, pour cette seconde période où on espère un Paris Saint-Germain qui va réussir à revenir dans ce match, qui va retrouver les ressources nécessaires pour y arriver. En tout cas, on a du beau monde sur la pelouse, on a du beau monde également sur le banc, donc on est largement capable de le faire et de revenir dans ce match, même si ce sera pas facile contre cette équipe de l'AS Monaco. Trippi, à tout de suite dans quelques secondes. Like a fadeaway, game for days. If you put me to the test, I'ma make them pay. You gon' feel this in your chest like an 808. Hitting harder than you ever felt. Give my all until there's nothing left. Go for broke, this is not a joke. I can only hope to take another step. Moving closer, closer. I'm just doing what I'm supposed to. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. I'm as real as it come, real as it gets. You think you ready, but you ain't seen nothing yet. Start out in the wish, but do
see you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Pop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. The best to do it, I can prove it. What more can I say? Got finesse like a fadeaway, game for days. If you put me to the test, I'ma make them pay. Feel this in your chest like an 808. Hitting harder than you ever felt. Give my all until there's nothing left. Go for broke, this is not a joke. I can only hope to take another step. Moving closer, closer. I'm just doing what I'm supposed to. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. I'm as real as it come, real as it gets. You think you ready, but you ain't seen nothing yet. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Pop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. The best to do it, I can prove it. What more can I say? Got finesse like a fadeaway, game for days. If you put me to the test, I'ma make them pay. Feel this in your chest like an 808. Hitting harder than you ever felt. Give my all until there's nothing left. Go for broke, this is not a joke. I can only hope to take another step. Moving closer, closer. I'm just doing what I'm supposed to. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. I'm as real as it come, real as it gets. You think you ready, but you ain't seen nothing yet. Skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Pop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. The best to do it, I can prove it. What more can I say? Got finesse like a fadeaway, game for days. If you put me to the test, I'ma make them pay. Feel this in your chest like an 808. Hitting harder than you ever felt. Give my all until there's nothing left. Go for broke, this is not a joke. I can only hope to take another step. Moving closer, closer. I'm just doing what I'm supposed to. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. They don't call me the beginner, they just call me the closer. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing, you ain't seen nothing yet. I'm as real as it come, real as it gets. You think you ready, but you ain't seen nothing yet. Yeah.
Skirt out in the wish, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Up in the Porsche, I go fast, go fast, go fast.
Skirt out in the wish, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Et nous sommes de retour pour cette seconde mi-temps entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, toujours avec monsieur Trippi Maconda pour l'instant. 3 buts à 1 pour les Monégas. Trippi, cette première mi-temps, forcément, il n'y a pas que des choses positives à en retenir, même si il y a des ouvertures possibles pour les Parisiens et il y a de quoi faire en seconde mi-temps, avec notamment l'entrée également de Sergio Ramos en défense centrale. Ouais, Sergio Ramos qui remplace El Shaddai dans l'axe central, donc il va se placer sur le côté gauche. Mais comme on l'a dit, cette première mi-temps, tout n'est pas jeté, mais il y a des choses à améliorer, notamment dans l'agressivité, dans l'engagement défensif. Les Parisiens ont manqué sur cette première période et continuent à jouer, Oh là, qu'est-ce qu'il a ? Alors sur le chat, c'est écrit « Pourquoi il n'y a pas le match ?» C'est sur quelle chaîne ? C'est sur la chaîne Prime Video, pour ceux qui cherchent le match d'aujourd'hui. C'est sur Prime Video, le radar qui n'est pas activé. Je vais vous réactiver le radar rapidement de ce match. Hop. Allez, les Parisiens ont l'air d'être repartis avec des bonnes intentions ici. Zaire Emery, le pressing des Parisiens très haut sur le terrain. On voit un pressing un peu plus important de la part du PSG pour l'instant au début de match, au début de deuxième mi-temps. Mbélé, la récupération sur le côté, oui. C'est très bien fait. Mbélé. Le crochet, ça passera pas derrière. Là, il aurait dû la mettre au centre. Là, il y avait du monde, on était en 3 contre 1 au centre, là. Golovin pour relancer l'AS Monaco. Juan Bernat sur la trajectoire en retrait avec Sergio Ramos. Alors, Sergio Ramos qui est dans les rangs parisiens, qui vient de faire son entrée, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Le radar qui ne s'est pas mis à jour, ça devrait marcher pourtant. J'essaie de vous retrouver ça. Ouais, le radar qui n'en fait qu'à sa tête, hein, sur le côté. Ça va revenir, je pense, après. Le bon retour des Kitiké ici. La prise de balle de Sergio Ramos. Petite faute de la part du Parisien. Mais c'était bien joué de la part de Ramos, mettre de l'intensité comme ça. C'est léger s'il y a une faute, je pense. Ouais, il touche la balle en plus, hein, Sergio Ramos. Hein. Ouais, mais le ballon ne part pas. Mais il touche la balle tout de même. Ah, Dissassi, sur le côté droit. Avec Aguilar qui va chercher en profondeur. Diatta qui vient sauver ce ballon. Il va très vite, Diatta. Finalement, non, ce sera une touche pour le Paris Saint-Germain. Et Diatta qui est vraiment très 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 rapide. Juan Bernat pour relancer. Avec Sergio Ramos. Il va pouvoir écarter. La belle passe vers Mbélé. Quelle transversale là de Sergio Ramos. On va retrouver Zaire Emery. Qui conserve bien ce ballon. Pressé par l'AS Monaco. Les Parisiens qui arrivent à bien sortir ici. Sergio Ramos. Ah, Zaire Emery qui rate sa passe là vers... Mais non mais là Marquinhos, là faut changer de côté. Vers Mbélé.
Et le pressing des Parisiens maintenant. Ah, ce serait bien de mettre un petit deuxième but. Arsenal update le temps. Ouais, je vais vous remettre le temps comme il faut. Malheureusement, le radar qui n'a pas l'air de fonctionner actuellement en deuxième mi-temps. Mais le temps, par contre, ça, je peux vous le mettre. C'est vrai que le temps n'est pas mis à jour. On est actuellement à la 49e minute et 23 secondes. Là, on est bon sur le temps. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Vitinha avec Ekitike. On revient derrière. Pembele. La bonne prise de balle de Pembele. Pembele intéressant dans ce début de match. Oh, ça va me rendre fou ça. La perte de balle des Parisiens. On revoit Ramos qui avait bien stoppé Ben Yedder. Malheureusement, non, c'est pas gratuit sur Twitch la Ligue 1, ce serait bien. Sur Prime Video, avec le pass Ligue 1. Ah, c'est exactement ça, Mister Fresh. Yao Henrique sur le côté. Qui cherchait Ben Seguir, la bonne défense de Danilo. Attention, Ben Seguir qui avait réussi à rusher ce ballon. Il protège le ballon, faut venir. Ben Seguir qui avait réussi à toucher ce ballon. Heureusement que Sergio Ramos derrière a bien veillé. La balle qui revient dans les pieds monégasques. Yao Henrique avec Aguilar. Camara qui écarte. Derrière vers Disasi. On va repartir côté droit pour l'Est Monaco. Ce sera un petit peu trop profond pour Aguilar. Et là le truc c'est que Monaco retombe un petit peu dans leur travers. C'est vrai qu'ils ont une avance de 2 buts. Si on arrive à réitérer ce qu'on a fait en première période sur... sur certaines séquences avec le ballon. Ouais, bah c'est ce qu'on disait, hein, c'est le seul décalage des Parisiens, la seule fois où justement ça a pris le côté et ça a fait une... j'arrive pas à trouver le terme, Trippy, quand le défenseur passe derrière et que tu lui mets la balle. Le seul dédoublement parisien, je trouvais plus le terme. Il a porté ses fruits, donc certainement faudrait en faire un peu plus. Le centre monégasque. Sorti par Juan Bernat. C'est technique, Juan Bernat. C'est bien joué avec Sergio Ramos derrière. Ramos. Pour relancer. La touche pour les Parisiens. Non, ce sera pour l'AS Monaco. Golovin qui s'est bien battu ici. Moi, je fais rentrer Garbi. Ah, et la balle qui revient là pour... Le Parisien, Danilo qui s'est bien battu au milieu de terrain. Danilo, la relance. C'est contré, ça revient sur un joueur monégasque, Golovin. Ensuite, on repart à droite pour l'AS Monaco. Avec Diatta. Les Parisiens en posture défensive actuellement. La passe tentée dans l'axe qui sera contrée. Yao Henrique. En retrait. Là, on est dans notre camp. Ils sont dans notre camp, bien positionnés. Les Parisiens en attente de ce ballon. Attention à Ben Seguir sur le côté qui est passé. Ben Seguir qui cherchait en retrait à Wissam Ben Yedder. Oh, la manière comme il l'a évité. Le jeune Ben Seguir qui est très prometteur. Et on voit Mbolo qui est parti à l'échauffement côté monégasque. Le joueur suisse. Trippy, une analyse précise pour débloquer cette situation. Nous demande Mister Fresh. Une analyse précise. Là, franchement, ça fait 53 minutes, on n'a pas eu d'occasion. Mais ça serait de... qu'on arrive à se déployer beaucoup plus vite quand on récupère le ballon. On a du mal encore. Quand on récupère le ballon, on est très dense autour de nous. Alors que là, il faudrait déployer, on va dire, certains joueurs qui prennent la profondeur, qui tirent, qui allongent ce collectif monégasque. La tête sur le corner monégasque qui ne donnera rien. 6 mètres pour Donnarumma. En fait, si tu veux te donner du temps avec le ballon, il faut que tu arrives à allonger le bloc équipe adverse. Mais pour ça, il faut que tu aies des joueurs qui fassent des sacrifices et qui prennent la profondeur quoi qu'il arrive. Même s'ils vont pas être servis, mais le fait d'avoir pris cette profondeur, ça va faire du bien à son équipe, au porteur de balle. Pembele, ça Pembele, il le fait. Mbembe, ça fait plusieurs fois qu'il le fait, mais on n'arrive pas à le servir.
Il faut constamment que l'équipe adverse se sente menacée dans le dos. Allez, Juan Bernat, côté gauche. Avec Carlos Soler, Neymar qui a décroché. Pas que vous mettez. Neymar hein. Sur le côté, Neymar avec Carlos Soler. Hein. Avec Juan Bernat, pardon. Vitinha. Et rapidement. Danilo qui va chercher Ekitike. On est devant la surface monégasque ici, il y a un truc à faire. La passe de Vitinha pour Juan Bernat. Juan Bernat, la frappe de Bernat qui est contrée. Et corner pour le Paris Saint-Germain. Alors là, c'est mieux. On est un peu dans la même configuration du but. On arrive à. Tu vois, là, c'est Bernat qui prend la profondeur. Même si c'est. Mais au final, il prend la profondeur. Il a menacé cette équipe. Il a été servi. Après, ça lui enclenche une frappe. Si on joue toujours petit sans qu'un puisse mettre un peu la panique dans la défense adverse, bah, tu vas faire tu vas juste faire des passes, quoi. Allez, le corner parisien, premier poteau, c'est touché par Danilo. On demande une main derrière. N'est pas sifflé. Ça revient dans le jeu. Zaïre Emery, et on va revenir à une position de hors-jeu. Sifflé par monsieur Clément Turpin. Danilo qui demandait une main. Non, de toute façon, il va hors-jeu de Neymar. Parce que c'est Ramos qui la touche. Ah, le jeu qui va reprendre là pour les Monégas. Nouble qui va dégager côté gauche. Vers Caio Henrique. Le pressing de Pembele qui vient contrer cette balle. Touche pour l'AS Monaco. Désolé pour ceux qui voulaient regarder le radar sur le côté. Malheureusement, il ne marche plus en seconde période. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas mon domaine là-dessus. Mais le radar nous a lâché. J'essaie de l'actualiser, mais ça ne veut plus. On y est. Voilà. Voilà. Encore. Allez, Marquis. Avec Danilo, la passe un peu trop compliquée là de Danilo au milieu de terrain. Chercher le côté, mais ça ne passera pas. Juan Bernat pour relancer avec Vitinha. Carlos Soler. Bernat face à deux joueurs. C'est compliqué là pour Juan Bernat, on n'a pas pu bien lui proposer une situation crédible de passe. Il s'était enfermé Juan Bernat. Ismaël Garbi va rentrer côté parisien. Je l'ai dit hein. Tu l'as dit, Trippier, à la place de Carlos Soler, tu l'as annoncé, c'est ça? Bah, la logique voudrait Carlos Soler, parce que, non pas pour rentrer dans l'individualisme, mais Emery fait un match relativement correct. Vitinha, ça va aussi. Après, t'as Danilo qui est là pour apporter cette assise défensive. Donc, si t'as un autre joueur après qui dans la percussion t'emmène, ce qui te manque. Ah c'est bien joué, dommage la passe de Neymar qui ne parviendra pas jusqu'à Juan Bernat, mais le jeu en triangle était très bien joué par les Parisiens ici. La combinaison était propre. Allez, ça revient ce ballon avec Vitinha. On n'a pas de présence devant le but. Vitinha qui peut écarter vers Pembele. Et c'est là qu'il faut aller vers l'avant, avec Marquinhos. Sergio Ramos. Voilà, allez. Danilo, il va trouver Zaïre Emery. La passe compliquée, Zaïre Emery qui garde ce ballon tout de même. On s'en voit pas que des ballons faciles aujourd'hui, Trippi. Hein. Ah, le ballon là, il était coriace le ballon. Heureusement que le ballon est son ami, Warren Zaïre Emery. Ramos, avec Neymar. Neymar qui va écarter, retrouver Danilo Pereira. Du côté maintenant. Danilo. Ah, Dani. Il a mis un peu de temps à contrôler ce ballon. Il vient le garder. Marquinhos qui a essayé de charger en profondeur Neymar. Le contrôle de Neymar, malheureusement, c'est bien suivi derrière par la défense monégasque. Et Kitschke qui vient gagner une touche ici. Et sur la profondeur, Marquinhos-Neymar, on sait qu'il y a une entente. C'est des buts qui arrivent souvent. Ismaël Garbi et Presnel Kimpembe vont faire leur entrée. Presnel Kimpembe de retour dans les rangs parisiens, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Et c'est Danilo Pereira qui cède sa place. Pour Ismaël Garbi. Mais on passe donc sur un milieu avec Garbi et Zaïre Emery et Vitinha. Ça veut dire qu'on va repasser à 3 derrière. Carlos Soler pour l'instant qui est en ailier gauche. Kimpembe qui va rentrer également.
Si on passe à avec Kimpembe derrière, ce sera à 3 derrière, je pense, ouais. Ok. À mon avis, on passe en 3 derrière pour cette fin de match. Kimpembe qui devrait rentrer. Et vu que Ramos est rentré à la mi-temps, ce n'est pas considéré comme une session de changement, c'est bien ça, Trippi? Je sais pas du tout. Ou ce serait la troisième et dernière session de changement pour les Parisiens? Sur le chat, si vous avez des infos là-dessus. Vu que Ramos est rentré à la mi-temps, maintenant on a Garbi qui est rentré à la place de Danilo. Est-ce que Kimpembe peut rentrer et le PSG peut conserver une session de changement ensuite ou pas? La question que je me pose parce que si on garde encore 30 minutes sans changement, Trippi, ça peut être compliqué. C'est jamais avec les blessures, la fatigue. Kimpembe qui est reparti à l'échauffement finalement. Avec Ilyes Housni également. Les Monégasques avec le contrôle du ballon sur le côté, le pressing des Kitikés qu'on vraiment voit pas trop aujourd'hui. Allez, le centre Monégasque, deuxième poteau, Ben Yedder qui vient à reprendre la superbe parade de Donnarumma ici. Il y avait certainement un hors-jeu. Quelle parade une fois de plus de Donnarumma. On aura sauvé quand même des très belles aujourd'hui. Il peut rien faire hein, sur les buts encaissés, dit Joe. Ah, les RM au milieu de terrain, c'est bien fait. Vers l'avant avec Vitinha. C'est ce qu'on veut, du jeu vers l'avant aujourd'hui, Trippi. C'est ce qui est souhaité par les Parisiens. Mais là, Monaco nous bloque bien, ils nous prennent en transition. On a encore du mal à... C'est même dans les contrôles en fait. Ouais, c'est ça, hein. Souvent les contrôles sont approximatifs aujourd'hui. Neymar Junior, le contrôle là, il est parfait. Neymar avec Ekitike, la remise allait bien également. Neymar Junior devant la surface. Garbi avec Neymar. Oh, il a pas réussi à bien prendre ce ballon, Neymar. La passe était pas évidente, malheureusement. En tout cas, on avait une belle action du côté des Parisiens. Une belle situation. Et derrière, le pressing. Allez, Carlos Soler, faut le récupérer ce ballon. Devant Fofana. Fofana qui vient le garder. Mais non, les gars, mais non. Garbi qui vient toucher cette balle. Avec Marquinhos. Ramos. En retrait, vers Donnarumma. Il va écarter à droite. Prendre aucun risque. C'était une situation compliquée. Il a bien fait de la dégager. On va prendre deux risques. Kao Henrique en retrait avec Maripane. Vers Disasi. On repart côté droit. On laisse Monaco. Les Monégasques qui font courir les Parisiens. Carlos Soler au pressing qui court dans tous les sens avec Neymar également. Attention, Ben Yedder cherche en profondeur. La bonne défense de Ramos qui avait intercepté cette remise de Wissam Ben Yedder. Ça peut repartir pour les Parisiens. Allez. Mais il propose, Viti. Vitinha. Ramos, Marquinhos. Allez de l'avant maintenant, il reste une demi-heure. Nous sommes toujours menés 2 buts d'avance par l'AS Monaco. 3-1 actuellement. À la passe approximative là de Vitinha. Juan Bernat derrière le super tacle. Oh. Non, non, non. Un peu décollé, ouais. Petite faute de Juan Bernat. Le tac un peu décollé, il a touché le ballon pourtant. Mais en fait, il a touché du pied droit. Ouais. Je me demande même s'il tacle pas, je pense qu'il peut l'avoir en fait. Ouais, c'est ça. Il s'arrête. Et en fait, quand il tacle, il touche un peu le joueur derrière. Ouais, il touche. En fait, c'est le simple fait qu'il soit le premier au sol. C'est ce qui a. C'est pour ça que tu repars à siffler. Mais là, le match, là, il est. Il est. Ah, ils sont de côté. Non, en fait, là, je suis en plein dans l'action là. C'est-à-dire que les Monégasques sont presque dans la surface. Les gars! Attention à l'action Monégasque. Le bon retour d'Ekitike pour se relancer.
Et Kitike qui a très peu de ballons aujourd'hui. Hein. Il n'est pas trouvé par les Parisiens. On va le trouver ici. Kitike en retrait avec Vitinha. Il est très peu servi, hein, l'attaquant parisien. Tu vois, quand je parle de déployer, c'est ça. C'est qu'on a récupéré le ballon. Et on a mis du temps à... On a mis du temps à partir directement. Marquinhos avec Garbi. Ismaël Garbi qui va écarter à droite vers Pembele. La passe un tout petit peu trop profonde. Et un petit manque de justesse technique aujourd'hui, malheureusement. Il y a des petits détails où les contrôles sont pas forcément toujours bons. Les passes un tout petit peu trop profondes. Et Hakimi qui va rentrer côté parisien. À la place de Timothée Pembele, je crois. Si j'ai bien vu. Pembele qui va sortir. Pembele qui aura fait un match correct. Il aura eu quelques situations dans la surface monégasque. Il aura quand même défendu de façon correcte aussi également. Entrée de Achraf Hakimi aujourd'hui. Allez, Vitinha. Oh, dommage. La balle qui n'était pas à jouer. Allez, la touche parisienne avec Hakimi. Marquinhos pressé, en retrait avec Ramos. Et le PSG qui a rajouté Garbi, Hakimi et Ramos. Mais... J'ai pas eu le temps de voir vos messages sur le chat. Est-ce que le changement de Sergio Ramos correspond à une session de changement? Ou est-ce que le PSG n'a plus de changement maintenant pendant 25 minutes? Vu que Ramos est rentré à la mi-temps, j'ai un petit doute. Parce que de base, c'est 3 sessions de changement par match. Pendant le match. Après, je sais pas si la mi-temps, c'est considéré comme une session de changement également. Il reste un changement, me dit Mister Fresh. Ah, c'est bien alors. C'est-à-dire que le changement de la mi-temps n'est pas considéré comme une session de changement. Et Kitike. Dos au jeu. Qui vient se retourner. C'est bien fait ça, Hugo Kitike. Avec Ramos. C'est intéressant ce qu'il fait Kitike à chaque fois, mais il est tellement peu trouvé que... On le voit pas dans ce match. Côté. Garbi avec Zeremri. C'est bien fait. Zeremri qui était passé. Malheureusement. La jambe de Fofana qui traînait. Et attention à la contre-attaque pour l'AS Monaco. Le bon retour d'Hakimi. Devant Ben Seghir. Ben Seghir, il est passé dans la surface. Attention. Mais il est pas aussi rapide qu'Achraf Hakimi. Donc il est vite revenu en arrière. Allez. On peut partir là pour les Parisiens. Avec Carlos Soler, Neymar. Neymar qui a vu l'appel de... Oh, des Kitike malheureusement. Superbe sortie de Nubel. Quel contrôle derrière de Ben Seghir. Mais l'appel de Kitike qui était très intéressant ici. Malheureusement... Il y a du temps. Ouais, il reste du temps. Malheureusement, Nubel qui avait bien senti le jeu. C'est de remettre le radar une fois de plus, mais il a l'air de ne plus fonctionner aujourd'hui. Il en fait des siennes. Ah, il n'y a plus de radar, ça y est. Ah si, on est sur le radar de la mi-temps encore. Ce n'est pas les bonnes stats. Les bonnes stats sont juste en dessous. 12 tirs pour l'instant pour Monaco, 7 pour le Paris Saint-Germain. Ah si, ce sont les bonnes stats du coup. Ramos. Avec Marquinhos. Alors, on essaye de la circulation rapide là, voilà. Allez, en retrait. Sergio Ramos. Vitinha cette fois-ci, il attend une solution. On revient sur Sergio Ramos. Zeremri. Je ne pas qu'on a un atout, Hakimi maintenant. Achraf Hakimi qui est très en jambes dans les derniers matchs en plus. Qui va pouvoir jouer une vingtaine de minutes aujourd'hui dans ce match. Avant le match contre le Bayern Munich. Ce sera reposé au moins un petit peu à Achraf Hakimi. Le match qui sera mardi à 21h. Et qu'on vous commentera ensemble avec Trippi. Et Kitike, c'était bien joué ça, la remise avec Garbi. Malheureusement, ça n'a pas suivi derrière. Bien joué Garbi le tag, mais ça revient ce ballon une fois de plus. Zeremri qui vient contrer ce ballon, ça revient sur Ben Yedder, attention, la réussite des Monégasques. Avec Camara, il cherchait un centre deuxième poteau.
Le ballon qui ne va pas sortir. Diata qui va venir le sauver. Sur le côté avec Aguilar, Diata. Oh les gars, vous faites tôt. Ah, ça revient pour les Monégas qui sont faciles avec le ballon. C'est pas ce qu'on aime voir, hein, cette balle dans les pieds Monégas, trippy. On préfère quand c'est les Parisiens qui ont la gestion du ballon. Bon, on les fait reculer. Après, est-ce qu'on les fait reculer parce qu'ils veulent nous attirer? On les fait reculer parce qu'on, pour le coup, on défend bien. Marquinhos. Avec Donnarumma. Allez, faudrait mettre un petit but là dans les 5-10 prochaines minutes pour y croire côté parisien. Ce serait bien, mais ce n'est pas fini. Allez chercher au moins un match nul aujourd'hui, ce serait une belle opération. Ne pas laisser les Monégas revenir au tableau. Neymar qui organise le jeu. Avec Carlos Soler. Neymar qui est passé ici. Neymar dans l'axe. Il y avait 3 joueurs sur Neymar, c'était compliqué. Et Zaire Emery derrière qui vient prendre un coup au visage. Ça joue tout de même. Hakimi, la petite faute sur Ben Seguir. Et le carton pour Achraf Hakimi. À peine rentré déjà, averti Achraf Hakimi. La petite faute, alors qu'il y a eu des fautes Monégas depuis tout à l'heure. Ouais, pas été sanctionné, mais... Même si je suis pas dans ce délire, mais au bout d'un moment, voilà, tu mets de l'engagement, tu fais comprendre à l'adversaire que c'est pas comme ça, tu prends pas le ballon, tu t'aventures pas à faire des dribbles, et puis voilà. Ah, des fautes comme ça, on en a vu plein du côté Monégas, qu'elles ont pas été sanctionnées depuis tout à l'heure. En tout cas, il est technique, Ben Seguir. Ce jeune monégasque. Et oui, Mr. Fresh. Allez, il faut y croire pour aller chercher un premier but. Dans cette deuxième mi-temps. Revenir à 3-2, ce serait intéressant déjà. Pour ramener un peu d'engouement. Parce que tout à l'heure, quand on a mis ce but, Trippi, on se rappelle à... Quand on a mis ce but à la 38e minute derrière, les Monégasques avaient du mal. Bah ouais, on était dans la partie. On était dans la partie, on essayait de les mettre en difficulté. Mais là, franchement, cette deuxième mi-temps, ils nous ont rien donné. Entrée de Mbolo à la place de Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé. L'attaquant français. Qui une fois de plus contre le Paris Saint-Germain aura effectué une belle prestation. Et sortie également de Ben Seguir, entrée de Minamino. Du sang frais côté Monégas sur les côtés. L'ancien joueur de Liverpool, Minamino. À Ben Seguir qui aura fait une belle partie, hein, faut l'avouer. Ouais. C'est un jeune très prometteur, hein, 17 ans. Sergio Ramos qui va venir sortir sur Mbolo ici. Vitinha, allez, faut s'imposer, Vitinha au milieu de terrain. Faut être un peu plus rugueux sur le ballon, un peu plus dur. Ils sont gentils les Parisiens là au milieu, ils sont trop gentils parfois. On aimerait voir un peu plus le pied sur le ballon, Trippi. Non, moi ce que je veux c'est juste de l'engagement, c'est tout. Ouais, c'est ça. De l'engagement qu'on sent qu'il y a une réelle bataille en fait dans le match, un vrai rapport de force entre les deux équipes et... Là, en fait, t'as un sentiment que Monaco gère son match. T'as un sentiment, parce que les Parisiens, ils ont la possession du ballon. Mais finalement, Monaco, ils gèrent son match. Regarde, là, ils sont bien disposés sur le terrain. Ils ont fermé l'axe du terrain. Ils sont pas pris à revers. C'est-à-dire que même si le ballon est mis dans une zone... La perte de balle de Zaire Emery ici... Tu vois, ils arrivent à nous contrer après derrière. Ça revient sur Golovin, la frappe du gauche, deuxième poteau, sauvé par Donnarumma. Oh, ça revient une fois de plus. Oh là, le centre qui était contré. Le sauvetage de Donnarumma est incroyable. C'était un centre contré, je crois, par Ramos. C'était dévié en contre son camp. Et on a réussi avec Donnarumma à faire une parade incroyable ici. On revoit l'action. Ramos qui était pas loin de tromper Donnarumma. Heureusement que Donnarumma a eu un superbe réflexe du pied. Et derrière, c'est dégagé par Vitinha. Et le pressing des Parisiens.
La balle récupérée. Non, touche pour l'Espagne. En tout cas, on sent qu'il y a de la tension dans ce match. Trippi, ça commence à devenir un peu électrique. Je sais pas toi, mais je sens que vraiment c'est très tendu là sur le terrain. Ouais, c'est tendu parce que les Parisiens, ils ont envie de... Bah, tu perds quoi. Tu perds 3-1, même s'il n'y a pas d'incidence au niveau du classement, les Parisiens seront premiers. On parle de s'ils perdent le bas, s'ils perdent le match. Hein. Ils seront premiers, mais les autres équipes aussi. Derrière, tu as Clermont-Marseille qui va se jouer. Marseille-Clermont. Qui va se jouer. Donc ça fait que ça peut se resserrer très vite. On va regarder un petit peu les prochains matchs justement de cette Ligue 1, le calendrier. Alors le calendrier de cette Ligue 1, on voit, on pense, c'est le calendrier du Paris Saint-Germain avec PSG Bayern, PSG Lille, ensuite Marseille, Paris Saint-Germain en Ligue 1. Par contre le calendrier de la Ligue 1, je sais pas si je l'ai. Résultat Ligue 1. On voit Angers-Auxerre, Lille-Strasbourg, Montpellier-Brest, Nantes-Lorient, Lyon-Lens. Et on voit également... J'essaie de trouver les autres matchs. Nice qui a battu 3-0 Ajaccio. Clermont Olympique de Marseille. Toulouse-Rennes. Et Reims 3. Le petit Lyon-Lens aussi. C'est un petit duel. Ah mais là tu te... Vraiment faut... C'est de vous mettre tous les matchs là sur le... L'habillage, voilà, on voit tous les matchs actuellement. Dans ce classement. On va remettre le classement de la Ligue 1 également à jour. Pour l'instant, le PSG reste en tête avec 7 points d'avance sur l'AS Monaco. Qui passerait deuxième du championnat, les Monégasques. En attendant bien sûr les journées de Marseille, de Lens. Qui ont un match de retard. Mais là le petit il est... Minamino, oh, le centre, deuxième poteau, capté par Donnarumma. Et ça repart dans les petits parisiens. Avec Carlos Soler. Carlos Soler qui attend une solution. Tu vois, c'est qu'on a du mal à, on a du mal à se déployer très rapidement. Ah, c'est ça. On prend un peu trop notre temps pour remonter. Bernat. Vers Zaïre Emery. Et Zaïre Emery, il est fatigué. Ouais. Il a l'air à bout de souffle. Après, c'est normal, là, c'est son processus titulaire, donc. Mais. Surtout dans ce match-là qui est pas évident pour lui. Vitinha à droite, avec Hakimi. Ah, la remise là, vers Kitike Garbi qui ne passera pas. La balle qui va être interceptée par Sergio Ramos qui a bien jailli. Devant Minamino, Neymar Junior. La petite louche vers Zaïre Emery. Zaïre Emery avec Garbi. Ah, on recherchait Neymar, malheureusement. Il y a un petit manque de justesse technique aujourd'hui. Et attention à la contre-attaque là pour les Monégasques. Marquinhos qui a très bien défendu. Avec le retour d'Hakimi. Hors-jeu, non. On revient pas hors-jeu. Non, parce que c'est Hakimi qui la met. C'est vrai. La balle qui revient là pour l'AS Monaco. Côté droit, le centre. Dévié par Marquinhos. Wow, c'était chaud. Mbolo qui traînait. Et ça peut repartir pour le Paris Saint-Germain en contre-attaque. Neymar. Avec Soler, Bernat. Neymar Junior. La passe dans l'axe. Avec Vitinha qui redemandait ce ballon. Neymar n'a pas réussi à le retrouver. Allez, elle est un peu plus haut là. Il reste que 12 minutes. Il s'agirait de marquer un petit but pour se relancer. Neymar, on compte sur toi. Neymar, le crochet, il est passé. La faute sur Neymar. Mais il lui met pas de carton en fait. La faute de Camara, bah ouais, ça fait la sixième faute là au bout d'un moment. Aucun carton. Pas la première fois que Neymar subit une faute aujourd'hui. Il s'agirait de signaler un petit peu ces fautes là. Alors que Hakimi, une faute, un carton. Il n'y a pas de tableau représentatif du match. Malheureusement, il ne marche pas le radar actuellement. Il est bloqué. Me demandez pas pourquoi, ce n'est pas moi le responsable. Et changement pour le PSG, dernier changement. Je crois Vitinha qui va sortir visiblement. Vitinha qui sort et entrée de
On le voit pas encore. Presnel Kimpembe à la place de Vitinha. Défense à 3 pour le Paris Saint-Germain. Kimpembe qui va rentrer en défense. Défense à 3 du coup avec Ramos, Kimpembe et Marquinhos pour cette fin de match. C'était le dernier changement parisien. Et changement côté monégasque. Jacobs qui va remplacer Alexander Golovin, auteur d'un but. Et changement également, Ekitike qui sort. Entrée de Ilyes Housni, le titi parisien. Numéro 44, sorti Ekitike. Et entrée numéro 37, Ilyes Housni. Allez, Sergio Ramos. Dans l'axe avec Ilyes Housni. Face à deux joueurs. La grinta du titi parisien qui garde cette balle. Neymar. La faute sur Neymar encore une fois. Non mais c'est faut sanctionner ou d'un moment. Carlos Soler, il n'ose plus mettre son pied Neymar. Il osait plus mettre son pied là tellement il avait peur d'une faute. Attention à l'action là pour Jacob sur le côté. La frappe qui sera trop croisée. L'entrant côté monégasque servi par Mbolo. Allez. Kimpembe. En retrait. Avec Sergio Ramos. Les Parisiens qui vont tout tenter dans ces dernières minutes pour aller chercher un premer but. Pour se rapprocher de l'AS Monaco. Marquinhos au milieu de terrain. En effet. On sait qu'il s'est joué à ce poste-là, Marquinhos. Il a longtemps joué à ce poste-là également sous l'air Tourelle. Et là, on aperçoit du coup Ramos et Kimpembe derrière. Hakimi et Bernat sur les côtés. Et Marquinhos au milieu de terrain. Avec Zaire Emery. Carlos Soler. Et Neymar qui décroche ici. Neymar, côté gauche. On revient vers un Carlos Soler qui pour l'instant cherche une solution. Il va revenir en retrait. Ouais, Monaco, là, ils gèrent leur match. Hein. Ils gèrent leur match bien comme il faut, là. Ah, il faut se rapprocher des cages monégasques. Ouais, mais pour être rapproché, il faut qu'on ait des joueurs qui soient au-delà des lignes. Là, on est tous proches pour venir chercher le ballon. C'est vrai. On revient derrière voilà. Tout le temps. Tout le temps, c'est revenir derrière, revenir derrière, revenir derrière pour l'instant. Donc, c'est compliqué pour les Parisiens de... C'est à un moment donné, quand t'arrives à trouver un joueur, il prend... Faut prendre un risque, parfois, un petit décalage, un petit... Voilà, tu vois. Un petit 1-2, un appel, ça manque de quelque chose, ça manque d'appel voilà. Un petit peu. Et prends maintenant avec Marquinhos, Neymar. Le contrôle de Neymar, ça reste. Marquinhos, qui garde ce ballon. Avec Juan Bernat. Marquinhos en retrait. Vers Bernat, on a l'entrée de la surface. Neymar, le ballon trop profond, récupéré par Mbolo. Quand je disais un manque de justesse technique aujourd'hui, il y a beaucoup de passes qui ne sont malheureusement pas assez précises dans ce match. Jacobs, il est passé, attention devant Sergio Ramos. Jacobs qui va pouvoir écarter Mbolo. Mbolo, la reprise détournée par Donnarumma. Et la tête de Ramos pour pouvoir repartir avec Didio. Par contre, Monaco nous a fait très mal en transition. Ouais. Et tous leurs dédoublements, à chaque fois, ils sont bien passés. Neymar avec Garbi. Ismaël Garbi vers Carlos Soler. À droite, Hakimi. Hakimi, Soler. Ça combine. Hakimi Lalouche, il cherchait Ilyes Housni. Ça ira directement sur Alexander Nubel, le gardien monégasque. Et il va rester 7 minutes dans le temps réglementaire. Avant un peu de temps additionnel. Et on a vu l'extérieur tenté par Mbolo. Le pointu extérieur. Parfois c'est le geste d'attaquant. Le pointu tripique, on est très près des cages. Il faut armer rapidement. Un bon vieux pointu. Ça peut faire la différence. Allez les monégasques avec le ballon. On est trop bas encore, hein. Là ils sont tranquilles les monégasques.
Marquinhos qui vient presser la défense monégasque, c'est bien. Allez, Neymar face à Nubel. Oh là là, il s'en sort bien le gardien allemand. Et c'est bien Marquinhos qui l'a fait ici. Il est venu presser directement la défense monégasque. Être plus haut, c'est ce qu'on doit tenter. Si on veut essayer de revenir, il faut prendre des risques. Ah, mais comme l'impression que Monaco ne se laisse pas surprendre. Ils ont un certain contrôle du match. Tu vois, on a du mal à les attraper. Après, c'est vrai qu'on enchaîne énormément de matchs. Hein. Monaco, eux, ils n'ont pas joué en Coupe de France, Monaco. Ouais, c'est vrai. Allez, Garbi, ouais, ils sont éliminés de Coupe de France. Les Monégasques, ils ont perdu au tir au but. C'était d'ailleurs une surprise. Hein. Ils se sont fait éliminer par un club qui n'est pas en Ligue 1, les Monégasques. Je vais te retrouver ça, Monaco qui a perdu en Coupe de France contre Rodez. Tu vois, donc il y a aussi ce manque de tonus, non, parce qu'il y a quand même des joueurs qui n'ont pas joué face à Marseille, qui ont été titulaires. Mais que Monaco ait plus de temps aussi pour préparer ce match. Ah, ils ont perdu contre Rodez en coupe, les Monégasques. Et à ton avis, Trippi, quel joueur a marqué pour Rodez? Si tu l'as, c'est très fort. Il y a eu quel joueur a marqué pour Rodez? Ouais. Attends, tu me dis ça parce que c'est un ancien? Un ancien Monégasque. C'est Abdennour. Mais par contre, dans les cages de Rodez, il y avait Sébastien Cibois. Ah oui. Et dans les remplaçants de Rodez, Lionel Mpassi, également en titi parisien. Gardien, exact, qui était au PSG à l'époque avec Alphonse Areola aussi. Lionel Mpassi qui a après fait ses gammes vers Toulouse, qui a rebondi à Rodez depuis quelques années. Allez, 3-1. Le centre pour Monaco ici, dévié, ça revient. La reprise manquée. 87e minute de jeu pour l'instant. Et toujours 3 buts à 1 pour l'AS Monaco. Ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain de revenir. Faudra en mettre un très rapidement. Les buteurs, on les revoit. Ben Yedder, le doublé. Golovin pour l'AS Monaco. Et Warren Zaïre-Emery, côté parisien. Et le Bayern a gagné 3-0, nous dit le chat actuellement. Je vais regarder ça. Le Bayern de Munich qui s'est imposé 3-0 contre le VfL Bochum. Après, c'est pas le même adversaire aussi. Hein. Le VfL Bochum qui a 6 victoires, 1 nul, 12 défaites. Bochum qui est actuellement 15e du championnat sur 18. Ce n'est pas l'AS Monaco qui est actuellement 2e. Allez, Carlos Soler. Avec Neymar Junior. Neymar, il y avait un dédoublement. Il préfère y aller tout seul. Neymar, il est passé. Ah, il poussera trop son ballon ici, le Brésilien. Aïe, 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 aïe. Il avait fait pourtant la différence. C'est dommage. Ah, il s'est cru en 2017, le gamin. Ah, parce que là, deux joueurs, cacac. Et après, aïe, 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 aïe. Ah, il l'a un peu trop poussé, ouais. Et la balle qui va revenir là dans les pieds monégasques maintenant. Nubel. Le dégagement. La tête de Presnel Kimpembe. Zaïre-Emery. Avec Garbi. On retrouve cette fois-ci Yes Ousni. Zaïre-Emery. Qui cherche une solution. 89e minute de jeu. Marquinhos qui est monté au milieu de terrain. Allez, faut être bien plus haut là. Marquer un but. Deux buts de retard pour les Parisiens. Allez, faut en mettre un vraiment maintenant. Ça va être short sinon. Neymar Junior avec Marquis. Ça combine rapidement. Neymar y est passé. Ah, la bonne défense de la part de Maripane. Et derrière, Presnel Kimpembe qui vient jaillir devant Mbolo. C'est comme on a dit, c'est vraiment la justesse technique qui nous a manqué là. C'est des contrôles. Allez, un décalage ici. Carlos Soler. La passe ratée là vers Neymar. Non, ça c'était vu ça. Et derrière, Mbolo qui va pouvoir relancer.
d'équipe monégasque avec Aguilar côté droit. Mbolo. Carlos Soler au duel. C'est fait avoir facilement l'Espagnol. Oh. Arsène, arrête de nous faire croire machin ou quoi. Ah bah j'essaie d'y croire moi à chaque fois. Hein. J'essaie d'y croire un petit peu. Je me dis, allez, pourquoi pas un petit but maintenant pour espérer. On sait jamais dans le football. Hein. Le football, ça va vite parfois. Il peut y avoir des buts, deux buts en prolongation, même trois parfois. Donc, faut toujours y croire. Et j'essaie d'y croire. J'essaie de me rassurer. J'essaie de garder un peu d'optimisme, mais là c'est vrai que c'est compliqué. Hein. 90e minute, il y aura je pense 2-3 minutes en plus. Et malheureusement, les Parisiens qui vont laisser filer 3 points ici au stade Louis II. On est actuellement toujours premier du championnat avec 7 points d'avance sur l'AS Monaco. Maintenant, faut espérer Trippier, faut pas des Marseillais, des Lensois. Il faut rien espérer du tout, faut juste gagner en fait. Non, mais pour ne pas qu'ils prennent trop de points non plus. Ouais, bien sûr, mais... Si et t'as raison. Si on commence à espérer que les autres fassent des faux pas, avec ce qui nous arrive, parce que là, tu joues Monaco, tu perds. Tu vas après, tu fais Bayern, Lille à domicile. Et ensuite Marseille à l'extérieur. Après Marseille à l'extérieur. Le calendrier très compliqué pour les Parisiens dans ce mois de février. Nouvelle occasion là pour l'AS Monaco, deuxième poteau, il y a du monde, attention. Dit attaquer à servir Mbolo, deuxième poteau, Mbolo. Il a pris un peu de temps à armer, deuxième poteau, le centre vers Minamino et la parade de Donnarumma. Quelle parade de Didio encore. Et Kimpembe qui va pouvoir dégager ce ballon. Heureusement qu'il est là dans ce match, le score qui pourrait être bien plus sévère que ce 3-1 pour l'AS Monaco. Ouais, rien à dire sur Didio, les buts qu'il a encaissés. Il ne peut rien y faire Didio, mais là il vient de nous sortir 3-4 gros arrêts dans ce match. Quel arrêt là il vient sortir au deuxième poteau Didio. La frappe croisée de Minamino qui ne passera pas. Il s'est bien étendu là, Donnarumma. Quel crack Donnarumma, nous dit le chat. Allez, 92e minute. Hein. Ouais, rien à dire, hein, Donnarumma. Ah, c'est dommage. Hein. Alors, on va laisser filer les 2 points, 3 points. Au Monégasque, quelle passe de Neymar ici dans l'axe. Malheureusement derrière ça n'a pas bien suivi. Pourtant il est inspiré Neymar sur cette passe là. Zeremri. A droite avec Hakimi. Neymar. Zeremri. La passe vers Carlos Soler. La faute sur Neymar ici, entrée de surface. Non, pas de faute. Ouais, pas de faute sifflée par Monsieur Turpin. C'est bizarre, hein, cette action. Ça paraissait être une faute. Et Marc était en avance là sur. Ouais. Non, il a raison. Minamino. Non, il touche la balle avant, Neymar. Hein. Non, mais après, il laisse. En fait, il tombe. C'est quand il tombe que sa jambe gauche est touchée par. Minamino. Entrée de Matadzo à la place de Camara. Pour l'AS Monaco. Là, c'est clairement pour les ovations et pour terminer ce match parce qu'il va jouer 30 secondes, même pas. Le joueur monégasque. Elliot Matadzo, numéro 15. Sortie de Camara au milieu de terrain. Remise en jeu là pour les monégasques. On est à la 93e minute. Il n'y avait que 3 minutes supplémentaires, donc il va rester même pas 30 secondes. Et malheureusement, le PSG qui se dirige vers une défaite en championnat. Contre ces monégasques, Trippier, c'est la troisième défaite des Parisiens dans cette Ligue 1 pour l'instant. 17 victoires pour le Paris Saint-Germain, 3 nuls, 3 défaites. Le PSG qui reste tout de même solide et premier dans cette Ligue 1 actuellement avec 7 points d'avance. Dit solide par rapport à l'avance parisienne. Parce que tu fais quand même match nul contre Reims et tu gagnes face à Toulouse. Donc c'est vrai que cette défaite, même si... De toute façon, cette défaite est énervante, comme celle de Marseille aussi. Mais le PSG se doit de faire mieux. Se doit de faire mieux, même s'il y a un remaniement. Là, je lis un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, que le fait d'avoir mis trop de jeunes, c'était pas très bon. Si, les jeunes, de toute façon, ils ont besoin de jouer.
Moi, j'estime qu'il n'y a pas de moment favorable pour qu'un jeune puisse jouer. Sergio Ramos, juste à un moment donné. Qui vient dégager sur le joueur monégasque, qui vient le relever derrière. Et de Donnarumma qui veut relancer rapidement le jeu qui est arrêté. Et je pense que ça va être la fin de ce match. C'est la fin de ce match. La victoire de l'AS Monaco. 3 buts à 1 au Stade Louis II. C'est pas ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Ce n'est pas le résultat que l'on attendait. Malheureusement, on ne peut pas toujours avoir ce que l'on souhaite dans le football et dans la vraie vie. Les Monégasques qui se rapprochent donc des Parisiens, vous le voyez au classement juste en dessous. 47 points pour l'AS Monaco, 54 pour le Paris Saint-Germain. On garde encore une belle avance au classement, que ce soit en points et également en goal average. Même si on a encaissé 2 buts aujourd'hui, on perd 2 de goal average. Les Parisiens qui affronteront donc le Bayern Munich pour le prochain match, Trippi. Là, il va falloir changer un petit peu d'état d'esprit et être bien plus convaincant que cette rencontre. Ouais, faudra être plus convaincant. Faudra. Après, c'est une autre compétition, c'est la Ligue des Champions. On espère que les joueurs se remobiliseront après cette défaite face à Monaco. Faut dire la vérité, Monaco aujourd'hui a bien exécuté ses plans de jeu. Je trouve qu'ils n'ont pas été mis en difficulté. Ils ont su contenir les Parisiens. Les Parisiens n'ont pas effectué une bonne partie dans l'engagement, dans l'investissement, de pouvoir mettre en difficulté cette équipe monégasque. Mais voilà, c'est une défaite amère comme celle en Coupe de France après l'élimination face à Marseille. Mais il faut avancer. Mais c'est pas parce qu'on avance qu'on doit oublier les défaites que nous avons subies, les contre-performances que nous avons effectuées. Il faut pouvoir analyser et ne pas réitérer les erreurs. Et on aperçoit actuellement Monsieur Galtier, le capitaine Marquinhos et d'autres joueurs du Paris Saint-Germain qui viennent tout de même féliciter les ultras qui ont fait le déplacement, aller leur parler, qui les ont félicités tout de même. Malheureusement, la défaite pour les Parisiens. On se retrouve donc très rapidement pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Ce sera mardi en Ligue des Champions. Ne plus faire les mêmes erreurs, être bien plus professionnel sur ce genre de passes, sur ce genre de petits détails. Et on sait qu'en Ligue des Champions, ce ne sera pas la même histoire. En tout cas, on l'espère pour le Paris Saint-Germain. Match contre le Bayern Munich. On se retrouve donc mardi prochain pour cette rencontre très, très importante. On sera également avec Trippi. Il y aura peut-être un invité également qui sera là pour cette rencontre. On se dit à très, très vite. Allez Paris et très bon week-end. À bientôt. Salut Trippi.